Waouh, waouh. Ah, ça s'est débranché. J'ai plus de jus, plus de direction. J'essaie de rouler le maximum, puisqu'on va bientôt revenir avec l'X-Max. J'essaie de dégager les feuilles au maximum. Oh, le terrain ici, il est... Waouh. Fracasse. Fracassé. Donc vous voyez, je conserve le système de fixation d'origine du Max. Voilà, ça s'est débranché. Ok. C'est pas méchant. Et dessus, j'ai l'électro Corali de mon ancien Spark. Voyez? Et la carreau étoilée, ça c'est nickel. Voilà. Bon, toujours un peu dur à mettre. Voilà. Voilà. Allez, hop. C'est reparti. Ouais, vous voyez le terrain, les crevasses. Je pourrais presque faire du skel ici. Oh, le terrain, il est défoncé. Comment qu'il est creusé? C'est dingue ça. Ouais, et puis les racines. Bon, et puis j'ai hâte d'essayer la moto avec le pneu paddle que j'y ai monté. Bon, je ne vais pas l'essayer ici, hein. C'est même pas la peine. Waouh. Ouais, il faut venir avec le X-Max, hein. Bon, ça roule la huitième, mais c'est compliqué. J'entends parler à droite, à gauche. Je me méfie des chiens, quoi. Donc voilà, Traxxas Max V3. Les premiers de France. Donc je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, c'est à la base le Max Lash, le châssis du Max Lash. Voilà, c'est tout. C'est pas c'est facile à mettre en œuvre, c'est pour ça je sais que Traxxas vont le faire. En fait, c'est comme si c'était un Max Lash avec les triangles du Max Wide. Le Max Lash, il n'est pas nouveau en soi, hein, puisque c'est à la base les trains du Max V1, je le rappelle. D'ailleurs, à l'arrière, il conserve toujours les triangles du Max V1. Alors qu'à l'avant, ils sont différents. Et sur la doc, avant-arrière, c'est la même ref. J'en avais parlé déjà dans une vidéo. Mais bon, ça se monte, hein, peu importe. Le Max Lash ici, il est carrément pas à l'aise. Hein, j'ai déjà fait des vidéos, il n'est pas à l'aise du tout. Alors que lui, là, eh ben, il est nickel. Vous le voyez. Ouais, et puis les choppers, ils accrochent. Ouais, ils accrochent bien. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Bon, ben voilà. Vidéo en deux parties, hein, comme d'habitude. Hein. Puisque ma cam, elle fractionne tous les 9 minutes environ. Donc, puis bon, ça me permet de faire des vidéos assez courtes. Hein. Donc, voilà.
Le Max V3, il est né, il est bien né. Maintenant, il faut que Traxxas nous le sorte. Hein. Surtout, moi, qu'il sorte, c'est pour la carrosserie. Hein. Moi, je le verrais bien en gros Rustler LCG. Ça serait nickel, voilà. Et avoir une carrosserie, ben nickel, quoi, tout simplement. Bon, moi, je vais réparer, quoi, je vais regarder si la vis allait dessus. Sinon, bon, bah tant pis, hein. C'est pas grave. Je vais continuer à rouler solo en attendant que mon ami arrive, où on va aller derrière jardin d'enfants pour faire rouler les motos. Allez, à bientôt.